là, il y a un très gros travail. C'est un enjeu considérable parce que s'il n'y avait pas d'accord pour le Brexit, le nombre et l'intensité des contrôles seraient accrus, posant des questions de fluidité, de compétitivité, et puis même d'une certaine façon de confort pour les voyageurs et pour ceux qui font voyager la marchandise. Nous avons pris des décisions depuis le mois d'avril dernier pour préparer l'hypothèse d'un accord, d'une sortie sans accord. Ça passe par le recrutement d'un certain nombre de douaniers, par le recrutement d'un certain nombre de vétérinaires pour être à la hauteur des enjeux. C'est ce que vous avez sur ce plan-là, des plans qui maintiennent une fluidité maximale tout en ayant la capacité de contrôle. Si les choses ne se passaient pas aussi bien que ce que nous espérons, puisque bien entendu nous souhaitons qu'un accord puisse être trouvé, eh bien ça nous permettrait de ne pas être pris au dépourvu et donc de pouvoir apporter les réponses que ne manquerons pas de poser. Et ceux qui sont attachés à la sécurité des personnes, et ceux qui sont attachés à la lutte contre la fraude.